Cette première journée d'études, vous le savez, une deuxième est d'ores et déjà programmée le 6 octobre prochain, s'inscrit dans la volonté de faire se rencontrer des chercheuses et des chercheurs en histoire portuaire et maritime avec celles et ceux qui travaillent sur l'histoire des femmes et du genre. Une telle entreprise se justifie par l'éclatement de la recherche. Aussi, l'un des objectifs de ces deux journées est-il de dresser un bilan historiographique sur la question, question généralement peu mise en avant, de la place des femmes dans le négoce des ports européens à l'époque moderne et au début de l'époque contemporaine. Les études historiques consacrées au milieu négociant des grands ports de commerce ont en effet révélé la présence de femmes, en particulier de veuves, dans ce secteur traditionnellement très masculin. Dès 1969, par exemple, Jean Meyer l'a signalé dans sa thèse complémentaire centrée sur les armements nantais au XVIIIe siècle. André l'Espagnol l'a également constaté dans son travail sur le négoce malouin au temps de Louis XIV et a consacré, je le cite, à cette réalité à première vue surprenante et même problématique au sens premier de l'expression, un article devenu depuis lors la référence historiographique sur ce sujet. Les travaux récents de Philippe Gardet sur Bordeaux, de Brice Martinetti sur La Rochelle confirme par ailleurs le rôle exercé par des femmes dans le négoce de ces grands ports. Les articles que nous avons eu l'occasion de rédiger avec Nicole Dufourneau ont montré qu'au-delà des veuves, des femmes mariées et ce que l'on appelle à l'époque des filles seules participent aussi au négoce, entendu ici pour désigner. Alors, participe au négoce, entendu ici pour désigner la frange supérieure de la marchandise. Voilà. Alors, le thème des femmes et de la mer, dans un sens plus large, a d'ailleurs déjà donné lieu à une journée d'études le 16 avril 2014 à l'Université de Bretagne Sud, organisée par Emmanuel Charpentier, que je remercie d'être venu ce matin nous rejoindre à Nantes, et Philippe Rodèche. Cette journée d'études avait notamment abordé la question du travail féminin le long des littoraux, mais également celle de la découverte de la mer par des femmes appartenant à la haute société des 18e et 19e siècles. Alors avec Bernard Michon, nous revendiquons tous les deux une démarche scientifique dite « genrée ». Et nous plaidons pour une prise en compte de cette dimension par les historiens et les historiennes. Mais qu'est-ce que le genre, pour reprendre le titre d'un livre récent dirigé par Laurie Loffer, qui est psychanalyste, et Florence Rochefort, qui est historienne. En France, à partir des années 90, le concept « gender », ou en français « genre », s'est constitué comme outil d'analyse. Si la sociologue anglaise Anne Oakley a introduit dans les années 70 le terme de gender pour théoriser la distinction entre le sexe, qui est une donnée biologique, et le genre, une construction sociale, l'historienne américaine Joan Scott, quant à elle, a vu dans ce concept une façon de signifier des rapports de pouvoir qui génèrent une domination masculine. Le genre est donc une catégorie d'analyse, une véritable boîte à outils pour les chercheurs et les chercheuses en histoire. Il s'agit alors de déconstruire les stéréotypes, d'étudier la construction sociale des rapports de sexe et les rapports de pouvoir et domination. Il s'agit pour nous de penser différemment. Au cours des deux journées d'études, en premier lieu, il s'agira de faire émerger les figures des femmes négociantes. Pas d'histoire sans elles. Je fais ici référence au mouvement militant des années 70 en histoire des femmes, qui a trouvé depuis un ancrage académique. En effet, il a fallu écrire l'histoire des femmes pour faire émerger 50% de la population, c'est-à-dire rendre visible l'invisible,
faire apparaître des femmes comme actrices sociales et économiques avant d'étudier les relations et les rapports entre les hommes et les femmes. Dans mon temps imparti par Bernard, je vais dresser un état de l'historiographie pour la France seulement, hein, pas pour l'Europe. Aujourd'hui, si les études sur la religion, l'éducation, le corps, la sexualité et la famille permettent de reconstituer un tant soit peu la place des femmes depuis le XVIe siècle, des pans entiers de l'histoire des femmes ne sont pas assez étudiés, comme leur rôle économique. Il nous faut étudier l'histoire des femmes en utilisant l'outil genre, étudier les différences, ou pas d'ailleurs, et la place des uns et des unes, que ce soit dans le travail, la finance, le commerce, etc. Car la question des contributions économiques des femmes se pose encore pleinement pour la période de l'Ancien Régime, et principalement les XVIe et XVIIe siècles. Par exemple, si le travail des femmes a été étudié en France, ce sont des historiens et historiennes contemporanéistes qui s'y sont penchés. Parmi les exceptions, citons des historiens et historiennes anglo-saxonnes, comme récemment Darnley Lafleur, qui a étudié le travail féminin à Rouen et à Lyon à partir de 1650, au milieu du XVIIe, mais plus ancien pour le XVIe, je citerai bien volontiers l'historien américain James Collins et bien sûr Nathalie Zemondis. Du côté de la recherche française, l'historienne Nicole Pellegrin, que j'avais consultée pour écrire mon chapitre sur le travail des femmes au XVIe siècle dans ma thèse, s'est intéressée aux usages vestimentaires et aux travaux d'église. Elle avait travaillé avec sa fille juratique et en 1994, elle a étudié le travail des femmes en ville et elles font toutes les deux un article. Je les cite. L'absence des femmes dans l'actuel renouvellement scientifique dont bénéficient les phénomènes majeurs de l'urbanisation et de la proto-industrialisation en France est d'autant plus troublant. Je dis bien que c'est un article de 1994. Désertion des chercheuses et des chercheurs attirés par d'autres chantiers, absence surtout d'une volonté d'investigation axée sur le rôle effectif, complémentaire ou antagoniste des deux sexes dans les transformations du marché du travail à l'état moderne. À lire certains historiens et historiennes, on pourrait croire en effet que la production urbaine, apanage masculin, cantonnait les Françaises d'Ancien Régime au seul métier de la revente, de l'habillement et de la prostitution, leur assignant principalement leur vie durant et pour plusieurs siècles des fonctions de ménagère, de servante et de procréatrice. Selon ce schéma simpliste et unilinéaire, le bas Moyen-Âge, au contraire, ne les aurait exclus d'aucune des professions réputées masculines, tandis que l'ère industrielle, malgré l'usine et la séparation lieu de vie, lieu de travail, les aurait enfermés dans le plus total asservissement. Fin de leur citation. Je n'oublie pas l'historien Paul Delsalle. En 2005, il écrit, car, alors là je reprends aussi ses propos, à Lyon en 1664, Sébastien Locatelli observe l'activité féminine dans le négoce. Les femmes y ont les principaux emplois, elles tiennent les écritures en partie double, elles vendent, elles incitent les pratiques, je ne sais pas si on entend par pratique, les pratiques à acheter, leur montrent poliment les marchandises, comptent l'argent, le sert, le garde. Elles tiennent généralement la clé de l'endroit où il est déposé, attachée avec d'autres clés à une ceinture faite de cuir et de chaînes d'argent. Bref, les maris et les pères servent de commis et de garçons de boutique. Voilà ce qu'a trouvé Paul Delsalle dans cette source. D'après l'historien Jean-Yves Grenier, qui travaille sur la parenté, pas sur les femmes, il faut attendre les années 1850 pour percevoir les transformations du ménage conduisant à une autre organisation, le modèle de l'homme comme unique source de revenus et la femme qui se consacre aux travaux domestiques. Enfin, Laurence Fontaine a écrit en 2008 un chapitre sur espace économique féminin et crédit où elle étudie principalement l'aspect juridique de ces espaces. Pour la recherche européenne sur la même question, je citerai rapidement Anna Beatis qui a étudié la place des femmes à Venise au XVIe siècle. Alors, Alain Bellavitis devait initialement participer à la deuxième journée d'études du mois d'octobre. Elle nous avait donné son accord. Malheureusement, en raison d'un congrès qui se tient en Sicile et
qui a été fixée peu de temps après. Elle ne pourra pas venir le 6 octobre, mais devrait normalement, hein, elle m'a donné son accord, participer à la publication des actes de ces journées, donc en nous donnant un texte autour de Venise au XVIe siècle. Et n'oublions pas nos intervenants et intervenantes d'aujourd'hui, la seconde journée en octobre, en particulier, je voudrais citer Martine Copeau, qui est ici présente, qui, avec Dominique Audinot, a organisé il y a 10 ans deux journées d'études sur le thème travail, femmes et genre. Pourtant, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette vision simpliste de la place des femmes, telle que la rapportait Nicole Pellegrin et Sabine Jurati il y a plus de 20 ans, alors que l'ancien régime donne aux femmes un accès certain, mais non défini, au travail extra-domestique, qu'il soit ou non salarié. Il est donc temps de s'interroger de nouveau sur le rôle des femmes dans le développement économique des sociétés modernes, et en particulier la place des femmes dans le négoce portuaire européen. Alors, je viens de dresser rapidement devant vous un état de l'historiographie un peu récente sur la question des rôles économiques des femmes du XVIe au début du XIXe siècle. Quand Bernard Michon et moi-même, nous avons écrit le premier article en 2001, la bibliographie était mince. oui, nous sommes très forts. La bibliographie était très mince. Trop souvent des ouvrages généraux sur les femmes, d'ailleurs écrits par des littéraires, hein, comme Évelyne Berlioz-Salvador, le livre également dirigé par Eliane Bello sur les femmes et le pouvoir sous l'Ancien Régime. Pour notre second article paru dans Clio, le livre de Dominique Audinot sur les femmes dans la société française, en général aussi, était paru entre-temps. L'aspect juridique de notre article avait été rendu possible grâce aux travaux d'historiens du droit que nous avons découvert entre-temps. Alors, je dirais que un des travaux, un des objectifs de ces journées, c'est de rendre visible ou davantage, je dirais, sous la lumière, quelque chose qui peut apparaître, je dirais, à première vue, un peu... on peut passer rapidement, hein. Eric a bien dit que tous les chercheurs, quel que soit leur domaine de recherche, sont amenés à croiser des femmes. La question, c'est qu'on passe assez facilement à côté. On passe assez facilement à côté, et pour preuve, je vous livre mon expérience personnelle, puisque avant de travailler avec Nicole, en 1999, j'ai soutenu, sous la direction du professeur Guy Saupin, un mémoire de maîtrise qui était consacré à la pêche morutière à Terre-Neuve et au lien entre Nantes et Terre-Neuve, et dans une optique tout à fait, dont j'avais travaillé beaucoup à partir des archives notariales nantaises du XVIIe siècle, et dans une logique finalement assez altruiste, j'avais publié dans les annexes de mon mémoire des tableaux qui reprenaient finalement les actes notariés que j'avais dépouillé dans le cadre de ma maîtrise. Et on commençait à se connaître avec Nicole, donc je lui avais passé mon mémoire de maîtrise, et donc elle l'avait regardé, et elle m'a dit « Mais tu sais que dans tes tableaux, il y a plein de femmes. » Non. « Non, non, il n'y a pas de femmes. Non, non, il n'y en a pas. » Et effectivement, en les reprenant, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes, donc dans les achats et la revente des poissons, mais des choses que j'avais saisies moi-même, hein, et sur lesquelles j'étais finalement passé à côté, et le rôle des femmes également, comme portionnaires de navires morotiers, etc. Donc tout ça pour vous dire que c'est facile finalement de passer à côté. Si on n'a pas une Nicole Dufour. Alors, il me revient, pour terminer cette introduction, de présenter les thématiques et les intervenants de ces deux journées d'études. Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, certaines communications auraient parfaitement pu trouver leur place dans la première ou la deuxième journée. Plusieurs choix sont arbitraires, nous en avons conscience, et s'expliquent en partie par des questions de disponibilité des collègues. Alors, la publication nous permettra de réunir, hein, l'ensemble de ces communications
Je vous rappelle que les textes doivent être remis pour le 15 décembre 2016 afin de permettre une publication en 2017 aux éditions Peter Lang. Dans l'appel à communication, j'avais donné trois pistes de réflexion. L'aspect quantitatif du phénomène me semblait constituer une sorte de préalable. A-t-on affaire à un phénomène marginal, isolé? Sans présumer les conclusions de ces deux journées qui seront réalisées par Martine Coco de l'Université de Rennes 2, que je remercie d'avoir accepté cette tâche, les 15 interventions porteront sur des espaces géographiques et des périodes différentes. L'Espagne, le Portugal, les Provinces-Unies et bien sûr la France, avec des présentations sur le Ponant et le Levant, et même une incursion dans les colonies antillaises. Une deuxième piste concernait l'exercice du métier de négociant au quotidien par les femmes, en posant évidemment la question de leur formation. Quand on parle de comptabilité, quand on parle de lettres de change, évidemment, cela nécessite un certain nombre de compétences. Enfin, les limites de l'action des femmes et les évolutions survenues dans le cadre chronologique étudié me paraissaient à questionner. Quatre ateliers se succéderont lors de ces deux journées et apporteront, bien évidemment, des réponses à ces pistes. La première thématique, ce matin, interroge l'éventuel impact de la dilatation des horizons commerciaux des Européens à la suite du désenclavement des grandes parties du monde. Philippe Lardin, à travers le port de Dieppe, nous livrera une vision, pour ainsi dire, initiale. Qu'en est-il de la place des femmes dans le milieu marchand à la fin du Moyen-Âge ? Consacrée au même port, la communication de Tristan Franconville montrera, grâce à une étude de cas, le rôle d'une femme dans le système des engagés pour les Antilles au XVIIe siècle. Enfin, en s'appuyant sur les correspondances de la Maison Roux de Marseille, Gilbert Bouty apportera un éclairage sur la place des femmes aux Antilles. Dans la deuxième journée du mois d'octobre, les communications notamment d'Amelia Polonia sur la place des femmes négociantes dans l'expansion maritime portugaise, de Marion Tanguy sur le rôle des femmes dans le commerce antillais du port de Nantes au XVIIe siècle, et d'Anne Wegener sur les ports des Provinces-Unies, compléteront ces analyses. Cet après-midi, nous aurons l'occasion d'examiner l'une des conditions propices à la promotion des femmes au sein du négoce européen, sa structuration autour de maisons de commerce familiales. Nous ferons d'abord une incursion par l'histoire de l'art, avec l'exposé de Christelle Galdé, qui nous présentera une œuvre acquise par le musée du Château des Ducs de Bretagne en février 2015, œuvre qui est sur l'affiche de ces journées. Il s'agit du portrait d'une femme de négociant, Marguerite Urban-Zelstack, née d'Orbrook. Enfin, épouse d'Orbrook, non, née Zelstack, épouse d'Orbrook. Voilà. Et je ferai ensuite le porte-parole de Brice Martinetti, retenu par des obligations professionnelles et qui vous prie de bien vouloir accepter ses excuses. Il m'a transmis son texte consacré aux femmes dans le grand négoce international Rochelle. Après une courte pause, nous entendrons Luisa Munoz Abeledo qui nous entretiendra des négoces des femmes dans les ports atlantiques de l'Espagne au XIXe siècle. Avant que Paulette Robic ne nous apporte son éclairage d'économiste spécialisé dans la gestion, donc j'ai compris que c'était très important de distinguer économie et gestion, hein, parce que Paulette m'a dit ce matin que dire qu'elle était économiste, c'est comme si on disait d'un médiéviste qu'il est contemporainiste. Voilà. Donc si tu veux, ça... Voilà. Donc, dans la gestion, sa communication portera sur le management des entreprises familiales. Cette ouverture disciplinaire nous sera, je le crois, très utile pour notre réflexion. Dans la deuxième journée, les interventions de Philippe Gardet,
de Karine Audran ou d'Anne Montenac enrichiront ces analyses tout en esquissant les évolutions. La période révolutionnaire en France peut apparaître comme charnière. Pauline Moskowski-Warby traitera de la surveillance et de la répression révolutionnaire envers les femmes du négoce bordelais. Enfin, Nicole conduira une approche méthodologique appuyée sur Nantes avec cette finalité: comment rendre visible le rôle économique des femmes. Ce titre résume peut-être à lui seul la finalité de ces journées.